Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga 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 Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Bhuta, Bhuta, Bhuta. Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Thank you.
kar charan kritam va kayajam karmajam va shravana nayana jam va manasam va paradham vihitam avihitam va sarvametachamasva jaya jaya karunabde jaya jaya karunabde Om Shri Mahadeva Shambho. Namaskaram. 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 Namaskaram à tous. Well. Eh bien. Cette terrible tâche de regarder le bilan des morts chaque jour n'est pas une bonne chose. Mais c'est important, partout, mais surtout en Inde, parce que c'est comme ceci que l'esprit humain tourne. Après quelques jours, rien ne m'est arrivé. Rien n'est arrivé à ma famille. Même mes voisins vont bien. Je pensais qu'ils attraperaient le virus, mais ils vont bien. Alors, peut-être que c'est juste une arnaque. C'est un complot qui vient de quelque part. Quelqu'un a répandu cette nouvelle. Ils l'ont juste fabriquée pour piller notre économie, pour décimer notre économie. Je ne raconte pas des histoires, c'est ce qui se passe. Donc le bilan des morts est un signe clair que personne ne raconte des histoires. Les gens ne font pas semblant de mourir, ils meurent pour de vrai. Les États-Unis ont dépassé les 52 000 morts. Espagne, 22 ou 23 000, la France, 23 000, l'Allemagne, 6 000, le Royaume-Uni a passé les 20 000, et beaucoup d'endroits du monde, beaucoup mieux, mais ça continue encore. En Inde, nous avons dépassé 775, mais en Inde, le bilan des morts est en baisse considérable. Voyant cela, les États se sentent encouragés et, comme vous le savez, au Tamil Nadu, il y a un couvre-feu et non un confinement. Beaucoup d'autres États se mettent sur le même mode. Le virus est bien contenu en termes de zone géographique, car 50% des cas en Inde viennent juste du Maharashtra, du Gujarat et de Delhi, qui est juste une ville et pas un État, vraiment. Bon, un État au point de vue légal, mais en termes de géographie, c'est juste une ville. Ces trois endroits, à eux seuls, comptent pour 50%. Si vous en ajoutez encore trois ou quatre, comme l'Uttar Pradesh, le Tamil Nadu et le Madhya Pradesh et le Kerala, ça fait 80%. Ça veut dire qu'une grande partie de l'Inde demeure complètement intouchée. Eh bien, voilà l'impact du confinement. Voilà ce qu'il a fait. Il a contenu le virus en termes de géographie. Donc, voyant les résultats, les États vont vers des confinements plus agressifs. Et bien sûr, il y a des pressions économiques.
qui vont nous pousser à faire certains compromis que nous devons faire. Mais si ça vient avec une discipline absolue de la part des citoyens à travers le monde, ça fonctionnera beaucoup, beaucoup mieux, car essentiellement, en ce moment, ça passe d'humain à humain. Eh bien, quelques tigres l'ont attrapé, je suis sûr que vous n'avez aucun projet d'aller prendre un tigre dans vos bras, donc ça va. Deux lions et un tigre dans les eaux américaines ont attrapé le virus. Il y a quelques cas de chiens et de chats domestiques qui l'ont attrapé, mais on a trouvé que chez les animaux, ça prend une forme très légère. Mais ils peuvent tout de même être porteurs. Mais le coupable principal est l'être humain. Donc il incombe aux êtres humains, aux individus, aux sociétés, aux nations, de nous comporter de telle manière à limiter les dégâts. Les taux de mortalité et les dégâts économiques, tous deux peuvent être considérablement contenus si on se comporte tous avec un certain degré de discipline et de responsabilité. Donc c'est uniquement pour cette raison que je lis chaque jour le bilan des morts. Car si vous n'avez pas de bon sens, au moins vous aurez peut-être peur. Oui, malheureusement. Si vous étiez sensé, alors ce serait facile. Mais si les gens ne sont pas sensés, la chose suivante est la peur. Au moins par peur, ils se comporteront de manière sensée. C'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Pourquoi la peur est-elle considérée comme une vertu? Eh bien, je crois que j'en ai déjà parlé, mais de toute façon, même quand j'étais un jeune garçon, parce que je crois que je n'ai jamais été un enfant, peut-être, quand j'avais 10 ou 11 ans, oui, à peu près à cette époque, ou peut-être un peu moins, j'entendais toujours mon père se faire du souci pour moi. Il n'a aucune peur au cœur. Que va-t-il arriver à ce garçon? Un jour, je me suis retourné et j'ai demandé, quand la peur est-elle devenue une vertu? Il dit, voyez, je vous l'ai dit, il n'a aucune peur au cœur. Eh bien, lorsque vous regardez en arrière, vous verrez, malheureusement, que la plupart des religions dans le monde, les institutions politiques dans le monde, et les parents et les enseignants se sont toujours servis de la peur comme l'outil le plus efficace pour obtenir ce qu'ils voulaient. La peur de l'enfer, la peur d'être fusillé, la peur d'être puni, la peur d'être frappé, la peur de l'abus, la peur de la honte. Ils se sont servis de la peur comme outil principal de leur activité. Malheureusement, même les parents. Eh bien, je crois que c'est en train de changer considérablement, mais c'est encore le facteur sous-jacent dans la plupart des sociétés. Parce que les gens croient encore que la peur pousse les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je crois que c'est l'idée la plus ridicule et la plus désastreuse qui s'est répandue à travers le monde, que la peur pousse les gens à donner le meilleur. La peur empêche peut-être les êtres humains de faire certaines choses, mais elle ne va pas libérer les gens, aucunement. La peur enlise l'être humain si fortement et elle entrave un être humain si fortement, de bien des manières, elle écrase l'être humain et en fait une pauvre petite créature qui veut juste désespérément survivre plutôt que d'être un être magnifique. C'est loin d'être le comportement du top de la ligne de vie sur cette planète. Vous êtes la couronne de l'évolution, de toute vie.
sur cette planète. Ce n'est pas un comportement digne du sommet, mais un comportement des tréfonds à cause de la peur. La peur non seulement des conséquences immédiates, mais la peur que vous allez souffrir ailleurs, la peur de l'enfer, a été l'un des plus grands facteurs dans l'asservissement et la gestion des gens. Eh bien, les gens ont aussi peur de Dieu. Les nombreuses choses qu'on fait dans le sens d'élever nos enfants, de les éduquer, de les tourner vers la source de la création, tout ça avec la peur, comment y arriverez-vous jamais? Car la peur est débilitante. Si vous voulez vous épanouir, si vous voulez connaître un sens de liberté en vous, il vous faut tout ce que vous possédez et davantage. Ce que vous avez n'est pas suffisant. Vous avez besoin de tout ce que vous possédez et vous avez besoin davantage. Un peu plus, un petit coup de pouce depuis l'extérieur, autrement on n'y arrivera pas. Mais maintenant, écraser de peur un être humain et le rendre moins que ce qu'il est, et ensuite espérer qu'il atteindra un niveau élevé est une chose très ridicule. Ceci est arrivé. Une mère essaie d'encourager un jeune garçon à boire du lait de chèvre. Mais le garçon n'est pas intéressé. Alors la mère dit, « Bois du lait de chèvre. Tu resteras toujours jeune. Tu ne vieilliras jamais. » Le garçon la regarde et lui dit, « Maman, si c'est comme ça, comment se fait-il que la chèvre de notre voisin a tout juste 4 ans et qu'elle a une barbe ?» Et je n'ai jamais vu une chèvre vieillir. Bien sûr, sur ce point-là, il a raison. Car quelqu'un en fera du biryani. Personne ne la laisse vieillir, pas parce qu'elle est restée jeune, mais parce que quelqu'un l'a mangée. Donc, les récompenses sont une manière. La peur est une autre manière. Mais la plus belle manière est toujours celle d'être suffisamment engagé pour susciter du sens. Paraître sensé à quelqu'un demande beaucoup de temps et d'efforts. On peut faire la même chose en 2 minutes avec la peur. Je parle de technique de gestion. Mais, parce que si vous devez faire comprendre à quelqu'un chaque aspect de ce qui doit être fait, au lieu de le dire en un mot comme un ordre, vous devez dire 100 choses. Regardez-moi. Ce qui peut être dit en un mot doit être dit de 100 manières différentes. Mais quand même, si vous voulez les tirer hors du fossé de l'ignorance aujourd'hui, demain matin, ils y seront de nouveau. Encore une fois, vous devez les tirer dehors aujourd'hui, demain matin, ils y seront de nouveau. Eh bien, telle est la nature de ce travail. Mais même si quelqu'un prend un premier petit pas vers une existence plus sensée, vous aurez des choses merveilleuses autour de vous. Mais si vous provoquez la même chose ou encore davantage par la peur, vous aurez une atmosphère vilaine. L'air que vous respirez sera empoisonné.
Quand tout le monde autour de vous aura peur, même l'air que vous respirez sera empoisonné. Vous devez voir si vous êtes sensible. J'ai travaillé dans ces prisons. Non, non, pas incarcéré. J'y suis allé pour enseigner les programmes d'ingénierie intérieure. En une seule fois, 10 jours complets. Je suis allé dans beaucoup de prisons, à la fois en Inde et aux États-Unis. Eh bien, si vous observez la prison, c'est pas mal organisé. En fait, tout un tas de gens venant des couches inférieures de la société sont mieux habillés que s'ils étaient à l'extérieur. Ils ont un meilleur régime, ils mangent manifestement mieux, ils ont l'air en meilleure santé, leurs pratiques sont bonnes, plus d'addictions, et tout se passe à heure fixe. Chaque chose à heure fixe. On éteint les lumières pour vous, on les allume pour vous, comme au centre de yoga Isha, non? On vous ouvre même les portes. Bien sûr, on les ferme aussi. Non, non, il y a tant de conflits dans les maisons aujourd'hui. Ferme la porte d'entrée et viens. Hein? Pourquoi devrais-je le faire? Fais-le, toi. Ce problème ne se pose pas. Quelqu'un d'autre fait tout pour vous. À bien des égards, les gens qui viennent d'une certaine couche de la vie, les aspects matériels et physiques sont en fait mieux organisés en prison que chez eux. Mais la souffrance est dans l'air, la douleur est dans l'air. Je ne suis jamais allé dans ces prisons sans sortir en larmes, parce que cet air que vous respirez est empli de douleur. Ça fait partie de la visite d'un certain endroit historique. Vous savez, un monument dans le Tennessee, une vieille prison pendant la guerre civile, etc. Je suis allé là où est la potence. On nous a emmenés là, ça fait partie du tour. Vous ne croirez jamais que peut-être la dernière fois que quelqu'un a été pendu là, c'était il y a 100 ans. Je ne suis pas certain, mais il y a longtemps. Mais quand vous entrez dans cet endroit, ça vous frappe au visage. Même aujourd'hui, après tant d'années, c'est suffocant. La peur et la souffrance extrême que les gens ont subie sont juste vivantes dans ce genre d'atmosphère. Donc voici la chose la plus importante si vous voulez réellement changer le monde. Si vous désirez changer l'atmosphère dans votre maison, dans votre société, dans le monde entier, la chose la plus importante est que les gens devraient se sentir plaisants en eux-mêmes. Eh bien, que faire? Les gens s'engagent dans la souffrance et ils y retournent et y retournent et nous devons les en sortir. Si ce n'est pas pour eux, c'est au moins pour que vous viviez dans un climat sain. Oui. Parce qu'autrement, s'ils vivent dans la souffrance et la peur, cela va créer une atmosphère empoisonnée autour de vous. Ne prenez pas poison au sens littéral, sinon il y a des champions des médias sociaux qui vont immédiatement dire « Testons l'air où se trouve la potence ». Rien de mal à ça, même quantité d'oxygène et de dioxyde de carbone. C'est parce que vous n'avez jamais ressenti quelque chose de subtil. Actuellement, vous êtes tous en vie. Je suis heureux, c'est une période où on lit le nombre de morts, mais vous êtes en vie. C'est formidable que vous soyez en vie. Car pour la plupart des êtres humains, la seule preuve de leur vitalité est de sentir battre leur cœur. Voyez, nous pouvons extraire votre cœur et continuer de le faire battre dans des machines. Ça ne veut pas dire que la personne est vivante, c'est sûr, elle est morte. Ou quelques impulsions électriques ou la respiration. Eh bien, un ventilateur peut respirer sans vous. Donc, seules les preuves physiques de votre corps sont là. Pas de preuves de vie. Personne n'a établi la preuve qu'il y a une vie réelle en vous.
Nous ne regardons que les conséquences de la vie. Parce que vous êtes en vie, vous respirez, votre cœur bat, et peu importe ce qui se passe, les paramètres médicaux, c'est bien. Mais est-ce que ça veut dire qu'au-delà de votre corps, vous n'existez pas? Des gens supposent qu'ils ont atterri sur la planète juste comme ça. Ils ne comprennent pas que nous accumulons ce corps. À 5 ans, vous étiez la même personne, à 10 ans, la même personne, à 25 ans, la même personne, à 100 ans, la même personne, en ce qui vous concerne. Eh bien, il se peut que vous ayez accumulé plus de mémoire, plus d'expérience, plus de richesse, plus de bêtises, mais dans votre expérience, vous êtes toujours la même personne. Donc vous avez toujours existé, au-delà de la taille et de la forme du corps. Donc quand c'est le cas, dites-moi où se trouve la preuve que vous êtes en vie. La plupart des êtres humains ne savent pas ce qu'est être en vie, comme s'ils vérifiaient quelqu'un d'autre. Mon cœur bat, donc je suis en vie. N'est-ce pas stupide? Ça passe. Quand on vérifie quelqu'un qui est allongé, nous vérifions sa respiration et disons, c'est bon, il est en vie. Vous vérifiez votre propre respiration et dites, ouais, je suis en vie. Vous l'avez perdu. Vous savez, il n'y a aucun doute. Donc ces gens-là disent, où se trouve le poison? Montrez-moi. Donc, si je dis, si vous traitez l'eau de certaines façons, au niveau moléculaire, ça devient du poison. Alors ils disent, d'accord, je vais vous donner une bouteille scellée, transformez-la en poison, faites-moi voir. Eh bien, il existe certaines créatures qui prospèrent sur du poison, vous savez cela. Ce n'est pas comme si nous ne savions pas ça, mais vous devez comprendre que la vie n'a pas besoin d'être empoisonnée chimiquement. Vous pouvez vous empoisonner avec la peur, vous pouvez vous empoisonner avec l'anxiété, vous pouvez vous empoisonner avec une mauvaise pensée, une mauvaise émotion. Juste une mauvaise attitude peut vous empoisonner. Oui. Juste une mauvaise façon de vous asseoir peut vous empoisonner. Autrement, pourquoi pensez-vous que nous nous soyons investis depuis des milliers d'années dans la science du yoga? Eh bien, si vous pensez que ce n'est rien, je veux que vous compreniez que c'est l'unique chose. Regardez en arrière et voyez, c'est la seule chose que les aspects basiques de survie, comme manger, dormir, la reproduction et les excrétions. À part ces choses-là, la seule chose qui vit depuis 15-20 000 ans, c'est le yoga. Non pas à cause de sa propagation, simplement à cause de son efficacité. Donc, si vous ne comprenez pas la nature de votre propre existence, alors vous créez toutes ces choses. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de devenir sensé en sachant que nous sommes mortels, de toujours savoir qu'à chaque moment de notre vie, virus ou pas virus, nous sommes toujours mortels. Mais grâce à du bon sens, par un comportement sensé, par une gestion responsable de la vie, nous pouvons réduire nos nombreuses responsabilités et en même temps développer diverses autres dimensions de notre vie. Actuellement, il est clairement démontré dans le monde que les nations qui ont pris la responsabilité de faire des actions sensées, la mortalité est minimale. Les nations qui ont essayé de faire quelque chose de façon arrogante paient le prix, malheureusement. Donc c'est très important de le comprendre à un moment où le confinement arrive à sa fin. Il doit se faire à un moment donné, parce qu'aucun gouvernement, aucune puissance politique ne peut pas garder indéfiniment les gens en confinement. 6 semaines, si vous me demandez, c'est un miracle. C'est un vrai miracle. 6 semaines, nous avons largement réussi. À part les quelques groupes d'irresponsables, nous avons largement réussi. Un accomplissement phénoménal, à la fois pour l'administration et pour les gens de ce pays, et pour les nombreuses autres nations qui participent à un processus similaire. Non pas par la force, juste, vous savez, à donner du sens aux gens en leur disant, c'est ainsi, vous devez comprendre, autrement, il se peut que vous n'existiez plus. Donc, il n'y a jamais de vieille chèvre. Ça ne veut pas dire qu'elle reste jeune.
Eh bien, il y a... Vous savez, quand nous nous entraînons à faire voler les cerfs-volants, il y a un proverbe. Il y a de vieux pilotes et d'audacieux pilotes. Il n'y a pas de vieux pilotes audacieux. C'est une période comme ça. Si vous êtes trop audacieux, vous ne serez jamais vieux. C'est un avantage. Namaskaram Sadhguru. Je vous adresse mes salutations sincères. Je suis le docteur Gayatri de Bombay. J'aimerais vous poser cette question. Ayodhya et l'Inde du Nord sont la terre des dieux. De Rama à Krishna, ils sont tous nés là et elle est considérée comme sacrée. Pourtant, l'Inde du Nord est toujours en conflit. Les cas de violence, d'agression et d'addiction y sont plus fréquents, malgré ce caractère si sacré. Pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, si vous regardez de plus près la vie de Rama, si vous regardez la vie de Krishna, évidemment, les gens autour d'eux à l'époque étaient aussi des gens très violents. Aucun scrupule à faire toutes sortes de choses terribles. C'est cela qui a probablement contribué à la portée d'un homme comme Krishna, avec son sens de l'équilibre, son caractère joueur, son sens de l'implication, de la sagesse, et surtout, un formidable sens de la grâce qu'il dégageait. C'est tout ceci qui a pris de l'importance. Si tout le monde vivait absolument bien sans tyran, comme étant des actes horribles, je ne pense pas qu'il aurait pu briller comme il l'a fait. À cause de tous ces gens terribles, cela est devenu très important. Vous voyez, ici, le centre de yoga est plein de fleurs. Je ne sais pas combien d'entre vous remarquent le parfum et la beauté de ces fleurs. C'est une fleur très très complexe et fantastique qui s'appelle Krishna Kamalam. La plupart des gens ne la voient pas, cette fleur, cette chose très complexe. Eh bien, on la trouve dans de nombreux endroits du centre de yoga. Si vous êtes en mode touristique, je n'ai rien contre les touristes et le tourisme, nous en avons besoin. En ce moment, c'est dur, donc nous en avons certainement besoin, mais les touristes sont généralement... Vous savez, ces jours-ci, même pas... Ça n'existe plus. On ne prend plus de photos d'autres personnes et d'autres choses. Tout tourne autour de vous maintenant. Donc, si vous êtes dans ce type de mode, vous ferez comme ça. Vous ne ressentirez rien de subtil. Vous ne regarderez pas, arrêtez, parce que le Kamalan Krishna ne viendra pas se mettre devant votre visage et prendre un selfie. Il sera juste là, dégageant doucement son parfum. Vous avez besoin d'un peu de sensitivité. Si vous ne sentez pas la fleur, vous avez peut-être le virus. Et certains d'entre vous remarqueront peut-être, « Ah, du parfum, du parfum !» Eh bien, le Krishna Kamalam dégage un type de parfum, le Sampig dégage un autre type de parfum, et le jasmin dégage un autre type de parfum. Il existe une variété de fleurs dégageant différents types de parfums. Je suis bien sûr que même ici, il n'y a que quelques personnes, ou appelons-les des nez. Il y a juste quelques nez qui enfoncent leur nez dans chaque fleur, et ils voient la différence. Pour les autres, ah, des fleurs, quelque chose. La plupart des autres ne le savent même pas. Pour eux, il n'y a que l'heure du dîner qui arrive. L'odeur de la nourriture les attire. Je n'essaye pas de rabaisser ou de me moquer de tout, mais c'est la réalité de la vie. Si dans ce jardin il y a tellement de fleurs, la plupart des gens ne remarquent pas ce qui est quoi.
Mais supposez que vous marchez dans un désert où tout est aride, juste du sable. Au milieu, il n'y avait qu'une seule fleur de lotus. La manqueriez-vous? Pas question de la manquer. C'est en quelque sorte ce qui est arrivé à ces gens. Pour Krishna, parce qu'il y avait des situations tyranniques, des gens qui faisaient des choses terribles, un homme s'est élevé au-dessus de toutes ces choses. Ce n'est pas un saint qui est assis dans les montagnes, ni un saint qui n'a pas de vie. C'est quelqu'un qui est absolument impliqué dans tout, mais qui est toujours bien au-dessus de tout. Personne ne pouvait le rater. Comment aurait-il pu ne pas le remarquer? Il est trop beau pour ne pas être remarqué dans cette atmosphère. Supposons qu'il y ait eu 1000 personnes comme lui. Ce n'est pas possible, cela ne s'est jamais produit, mais supposons même qu'il y en ait eu 10, il ne l'aurait pas remarqué. Un seul, alors il brille. Eh bien, après qu'il soit, après son départ, ont-ils compris? Non, car peut-être pas exactement à mi-chemin, mais vers la fin de sa vie, il est allé à Gujarat, et là, vous savez, des choses tragiques se sont produites, et son propre clan s'est disloqué et s'est entretué. Presque chacun d'entre eux est mort dans ces batailles, entre eux. Parce que toute leur vie, ils s'étaient habitués au combat avec d'autres, soudainement, plus aucun ennemi. Ils ont donc décidé de se battre entre eux. Que faire de toute une vie à combattre et à tuer quand il n'y a personne à tuer? Vous vous tuez entre vous. Voilà donc comment cela s'est terminé, malheureusement. Mais le sens de leur vie n'a pas disparu, bien sûr. Je pense qu'en Inde, il y a un dicton qui dit, si vous gardez une lampe qui diffuse la lumière à tout le monde, juste sous la lampe, il y aura toujours de l'obscurité. Donc cela s'est produit, mais si vous regardez à plus grande échelle, si vous regardez ailleurs, vous verrez les endroits ou bien la situation géographique d'où les grandes religions sont venues, là où Jésus est né, où le judaïsme est né, ou même l'islam est né, eh bien, les 2000 dernières années n'ont brillé pour personne. Une énorme quantité de violence, des événements probablement les plus cruels. Le sol est imbibé de sang. Cette région entière est toujours dans le même état. Je ne pense pas qu'un seul jour ne se passe sans un effort pour tuer quelqu'un, à cause de cette haine à long terme, toujours présente. Donc, les individus qui se battent pour quelque chose sont une autre affaire. Mais de grands groupes de personnes, que ce soit la race, la religion ou les nations, qui continuent de se battre pendant 1000 ans, cela signifie que nous avons perdu la bataille. Malheureusement, des combats auront lieu. Cela ne devrait pas arriver, mais cela arrivera, les êtres humains débordent parfois. Vous devez reprendre vos esprits. Mais si vous vous battez pendant plus de 2000 ans, eh bien, vous avez vraiment perdu la bataille, cela ne fait aucun doute. Donc la même chose, au moins, les gens de Yadavas et de l'Uttar Pradesh n'ont pas été jusque-là. Ils ont amené le combat organisé au niveau individuel. Il y a un peu d'amélioration. Au moins, ils ne combattent pas clan contre clan. Ils ont réduit le mouvement, c'est devenu plus économique, plus individuel, avec plus de manque de discipline, ce genre de choses. Eh bien, nous devons voir, nous devons les discipliner. Aujourd'hui, dans leur pays, ils ont même élu un yogi. J'espère qu'il apportera de la discipline au pays. Je pense qu'il essaie, peu importe. Je ne veux pas, ce n'est pas une déclaration politique, c'est ironique. Un État qui a connu tant de violences et tant de choses de toutes sortes, choisit maintenant un yogi comme ministre en chef, ce qui est un peu ironique pour moi. Mais il ne s'agit pas de faire une déclaration sur lui ou sur les gens. Mais c'est ainsi que le monde va, en particulier partout où une lumière brillante est apparue et que les gens ne l'ont pas vue, à l'extérieur les gens l'ont vue.
À proximité, les gens ne l'ont pas compris. Parce qu'ils sont un peu aveuglés par cette lumière, ils ne peuvent rien voir. Les gens qui étaient loin pouvaient voir la valeur de ces gens. Mais ceux qui sont proches, en général, ne le réalisent pas. Il ne doit plus en être ainsi à l'avenir, mais c'est l'histoire générale des êtres humains que lorsque quelque chose est devant eux, ils le manquent. Quand c'est loin, ils le recherchent. Donc, malheureusement, ils l'ont aussi fait à Krishna, mais Krishna a déménagé à Gujarat. Il est très populaire à Gujarat encore aujourd'hui. Et à partir de là, son image a été envoyée au Kerala. Vous le savez? Oh. Il y a des revendications et des demandes reconventionnelles à ce sujet. Mais le premier temple qui a été construit pour Krishna de son vivant, ils ont construit un temple pour lui. Donc, quand les choses ont mal tourné et qu'il y a eu des batailles, ce temple aurait pu être détruit. Alors il est dit que Vyasa a pris l'idole qui était dans le temple parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit détruite et a pris un voilier et est descendu le long de la côte vers le Kerala. C'est l'origine du nom Guru Vayur, parce qu'un gourou a utilisé le vent pour descendre vers le sud et l'a installé à Guru Vayur. Aujourd'hui encore, de tous les coins du pays, tous les dévots de Krishna font la queue comme des abeilles à Guru Vayur, parce que c'est censé être la représentation de la divinité originale. Donc, il vit dans de nombreux endroits, mais à proximité, petit problème. Mais peut-être que là aussi, il brillera maintenant. Si les gens ont choisi la discipline au sommet de l'État, pour cet État, ils ont peut-être le désir de changer, ce qui est un changement qui est vraiment le bienvenu. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Maha